bizarre. Ok. Bérénice, you have magic. The flow. Yeah. Jimmy dit chanter. Linda, je préfère. C'était ça, Linda. Son appellation au collège. Linda. Linda. Ok. La bosse, elle n'a pas diminué. Ok. La bosse, la bosse. Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah, ok, ok. Non, on ne l'appelait pas la bosse, mais elle avait tendance à soulever la bosse. La bosse, ok. Oui. Okay. Ok. Donc, Jimmy dit, je préfère t'appeler comme ça parce que c'est ça le flow en fait. Quand je vais aller avec Lorisa, c'est comme si je te connais aussi dans la star mania. Voilà. Ah, que c'est pas ça. Donc, déjà, je suis fière que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui. Merci. C'est le bris comme on appelle souvent. Ouais. Parce que avant-hier, quand je parlais avec Ekomo, moi je suis pas sur TikTok. Tu vois, quand je parlais avec Ekomo, elle me dit, tu ne connais pas les dandies et tout ça. Je lui dis que, mais attends un peu, dandies, là, c'est pas dandies, tu n'étais pas fille d'honneur à son mariage la dernière fois ici. Ekomo, elle me dit, oh, bah, quand il faut arrêter, t'as dit que Lorisa brise. J'ai dit, bon, ça va, attends alors, son brise là, non, ce sera pour elle là-bas, parce que s'il faut la verser, on va la verser franchement. Donc, Dieu me dit, dis-moi, quand vraiment tu arrives sur toi là, ça se passe comment? C'était pas trop facile pour moi de quitter Yaoundé parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à Yaoundé. Je suis arrivée à Yaoundé, j'avais 4 ans et je suis revenue à Douala, je crois, j'avais 19 ans. Donc j'ai fait 15 ans à Yaoundé. Donc c'est là-bas que j'ai connu mes amis d'enfance et les plus belles des amitiés que j'ai eues, c'était à Yaoundé. Donc quand je suis venue à Douala, c'était un autre... Tu étais dépaysée quoi. Et je me suis souvenue de toi en fait, quand tu m'as dit, calme-toi. Quand je disais que hey, moi je suis vierge, tu veux que laisse, tu veux pas de doigt là, ça va finir. Je me suis souvenu de toi directement que merde, au baquet m'avait prévenu. Ok. En direct en fait, c'est un peu ça. Ok. Bon, mais. Tu dis la bêtise à maman. En même temps, maman comprend que tout le monde a grandi. Ouais, hein? Tout le monde a les jumeaux. Ouais. Elle est magnifique. Oui, oui, passons par là. Bon, en fait, je veux juste avoir un bref aperçu entre la transition de la Djemedi de Yaoundé, celle qui devient autochtone, si je vais le dire ainsi, sur Douala, parce que tu as des racines du littoral, et puis celle qui s'améliore à la fois pour la maternité, à la fois pour le monde de la starmania et tout ça là. Donc j'aimerais savoir quels sont exactement tes a priori, comment tu conçois la chose. Est-ce qu'il n'y a pas un déphasage? Est-ce que cela n'affecte pas réellement ton vécu quelque part, même si tu essayes de cacher la chose, etc.? Bien sûr, en fait, je vais d'abord m'attarder sur les amitiés. C'est le seul truc qui m'a un peu... qui m'a traumatisée, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, Yaoundé était la meilleure des villes. Sur le plan genre du... dans des filles qui veulent fréquenter. Quand je suis arrivée à Yaoundé, tu voyais des filles dans des quartiers qui partaient à l'école. Mais concrètement, à Douala, quand je suis arrivée, quand moi je partais à l'école, tout le monde me demandait déjà, mais la fille s'y fréquente. Donc pour moi, je voyais que vous ne connaissez pas qu'une fille doit fréquenter. Donc... avec ton rouge à lèvres. Toujours. Toujours. Le Nyangala n'a pas changé. Donc okay. On a quand même un peu fini, c'est ici à Douala. Bon, en fait. Et les amitiés. Donc j'ai vu qu'à Yaoundé, j'avais tellement de bonnes. De bonne amitié en fait. Ici c'est l'hypocrisie. C'est non. Elle est pas. Elle a toujours été vraie au collège donc. Non, elle on n'était nous... même pas amis au collège. On était même pas. En fait. Okay. Oui, c'est vrai. Waouh. Wow. Ouais, wow. Hein. Okay. Okay. En fait, son frère peut en témoigner. Ok, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, au collège, on ne s'aimait pas trop, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Tu ne m'aimais pas. C'est pas moi. D'accord. Parce que nous étions tous au collège. Parce que je me souviens, j'étais en train de dire, une fois nous sommes arrivés sur Douala, j'ai vu au baquet, si je peux l'appeler comme ça. Parce oui, c'est son nom, au bas. Ok. On s'est vu une fois, j'ai dit qu'il y avait une fille, une seule fille au collège, qui a chromatisé Lorisa et Nelly. Donc c'était, je peux dire, c'était la fille que tous les garçons voulaient faire.
Et ça rendait vraiment Lorisa jalouse. Jacques, okay. Même à la maison. Je te permets pas. Dès que je parlais un peu de Baquet, que non, au Baquet, vraiment, c'est la fille qui a vraiment ce qu'il faut là, il faut. Lorisa me regarde, je savais. Comment que mon grand, comment tu peux me dire? Non, mais c'est vrai. Au collège, vraiment, c'était si on voulait compter une fille qui avait le truc là, en fait. C'était elle. Là, elle avait le machin qu'il fallait. Elle sortait de doigt là, non, c'est normal. Elle était une fille de doigt là, elle venait avec quelque chose. Merci pour le quelque chose que les filles de Yaoundé n'avaient pas. N'avaient pas, ouais. Ok. Donc, même nous en terminant, le fait, c'était. D'accord, moi j'étais un peu. Moi c'est pas orgueilleux, donc ça fait que. D'accord, je la vois un peu comme une petite soeur, comme le vaut Lorisa. Mais elle avait ce truc là, tous les gars de ma salle. Il y avait un pote là, Andy, elle connaît. Ma cache-calais, elle connaît donc. C'est un peu lui, Lorisa. J'ai quand même dit, tu cherches quoi derrière, elle a quoi? Il dit que non, Lorisa, toi me regarde un peu. Et tu te regardes, tu vois. Non, c'est un peu ça. Ok, donc, tu haïssais. Oui, elle avait cette tendance-là. C'est bien qu'elle elle allait jusqu'à se mesurer à moi, même au sport. Ok. Quand Lorisa ne sprintait pas avec moi, c'est qu'elle n'a rien fait. Ok. Oui, elle voulait s'auto-proclamer meilleure de tout, en fait. Donc, c'est vrai, en fait. Et curieusement, je me souviens, il y a de cela quelques années, quand ils se sont installés sur Douala, on s'est tamponné à Parisot. C'est elle qui me reconnaît en premier. Mais je me dis, c'est quoi? Tu fais plus attention à ta ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, Maja a couché. Je dis, quoi? Ton père, il a géré comment? C'est le premier des questions. Raconte-nous l'histoire du père. Voilà. Exact, parce que mon père, il était un peu trop dur. Quand on faisait première, je me souviens très bien, on était les enfants de barrière, tous. Alors, moi, j'étais pas très loin de l'école. Et je ne recevais pas de visite. J'avais pas de visite. J'étais vraiment limite dans la camaraderie. J'avais quasiment pas de camarades, s'il fallait le dire ainsi. On se limitait là à l'école et puis basta. Alors, les garçons de la salle, ils avaient souvent des petites fiestas qu'ils organisaient. Les châtés. Oui, c'était ça le terme. Donc, quand on nous invitait, je dis, il n'y a pas de souci, je serai là. Mais maintenant, quand Lorisa comprend qu'elle sera là et moi je ne serai pas là, il va falloir que je fasse comment? Elle promet qu'elle sera là. On donne même le dress code. Quand on arrive, tout le monde est pointé. On voit même son grand frère. Mais Dieu me dit, elle n'est pas là. Je dis, comment se fait-il que Lorisa manque à ce genre de fête? Quand on arrive le lundi à l'école, on demande que Medjé me dise comment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être une trace de chicotte. Tu as chigné avec. Non, parce que je ne parle pas les secrets profonds. C'est peut-être une trace de chicotte. Non, là, c'est peut-être une trace de chicotte qu'on voit comme ça. Et quand tu l'interroges dessus, elle te dit non. J'ai juste trébuché, j'ai rien fait. Et pourtant. Oui, on sait que c'est fait certainement chicoté. La mère se rappelle de la trace là. Elle s'est fait chicoter. La semaine là, tu vas voir, Lorisa, elle est très calme. Elle est très calme. On ne l'entend pendant les cours de français parce qu'elle aimait bien le professeur de français aussi. On ne l'attend que pour les cours de français. Donc, maintenant, quand je vois la jolie femme, la grande femme, la femme plus ou moins posée, je ne connais pas trop si elle s'est posée. Dans les vidéos, là, c'est pas trop ça. Plus ou moins posée qu'elle est devenue aujourd'hui, je m'en vois ravie. Je m'en vois vraiment ravie. Et puis, tout ce que je peux vraiment dire, c'est que au-dessus de tout, pour tout ce qu'il prône, c'est le respect de sa personne. Qu'elle se respecte davantage. Donc, c'est pas que le côté, la folie de la starmania, le visuel, le m'as-tu vu, comme on dit généralement, l'affecte quelque part. Parce que en dépit de tout, elle est appelée à être femme africaine au foyer. Ok. Ça, mais ça, je précise, femme africaine. Merci, Bérénice. Merci. Donc, ce sont des belles années que vous avez passées ensemble.